Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Horizon Zero Dawn. Et je vous retrouve aujourd'hui pour notre, excusez-moi, 12e épisode. La dernière fois on avait entamé la vengeance des Nora contre les assassins qui nous avaient attaqué lors de l'éclosion. Et de mon côté j'ai un petit peu fait d'exploration, hein, donc tout ce qui était fleurs de métal etc, j'ai récupéré. J'en ai profité également pour faire, où est-ce qu'elle est, l'épreuve de chasse qui était là, voilà, ici même. Donc résultat, j'ai pas mal de points de compétences. En plus je me suis récupéré, qu'est-ce que je me suis récupéré? Le profil bas, je l'avais déjà. L'attaque par-dessus, j'ai réussi à récupérer l'attaque par-dessous. C'est pour ça que là, j'ai deux points de compétences que je ne vais pas utiliser. Mais il faudrait que je récupère également le coup critique plus, qui est quand même assez pratique lorsque je mets l'adversaire à terre. Donc bref. Dans tous les cas, là, faut qu'on aille venger les Nora de l'éclosion. Ah, et j'ai aussi un nouveau couvre-chef. Enfin, c'est juste que j'ai l'armure de furtivité niveau 3. Donc, mais oui, j'ai un nouveau couvre-chef. Donc, ouais, on a 120 mètres et il faut qu'on aille donc sur la tour la plus haute. A savoir cette tour-là. Qui, elle tient pas droit, hein. On est d'accord. Hein. Des soucis, là. J'ai croisé une nouvelle créature aussi. Je me suis permis de terminer l'épreuve, la mission secondaire. De la caravane, ce qui m'a fait rencontrer une nouvelle créature, un tracker, hein, belle saloperie, je vous en dis pas plus, mais c'est une belle saloperie. Et par contre, même si j'ai essayé de faire la place dans l'inventaire, je suis plein, j'ai beaucoup trop de ressources sur moi, faudrait que je me décide à en virer certaines, mais... Et voilà, genre tout ce qui est bleuette, tout ça, je vais en virer. Alors, ah! Mais ils sont là les copains! Trop bien! Bonjour! C'est brave Nora, machin, ok, alors. Case ravitaillement. C'est bien. Je prends. Tout ça, je prends. Comme si j'avais pas assez de... Je me plains! Je suis plein! J'en ai marre! J'en ai marre! J'ai trop de ressources de partout! Je sais pas quoi en foutre, moi, les gars. Genre là, ça... alors, oui, plutôt j'ai décomposé. Voilà. Non, parce qu'en fait, de la flambée, en fait, j'en ai trop. J'en ai vraiment trop. J'utilise pas assez les flèches de feu et j'utilise pas les masses en même temps. Donc, voilà. Parce que les cannes de rivage, mine de rien, c'est intéressant. Ok. Parler à Sona. Bah écoutez, on va parler à Sona, qui est en contrebas, visiblement. Ou pas, elle est juste là, d'accord. Les camps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent l'ennemi. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Attends, j'ai une autre idée. Leur base a une faiblesse. Je vais y aller seule et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien, à condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec gratitude de flèches impatientes de jaillir de l'arc. Oui, Varl, accompagne Aloy pour l'assister, mais... Sois prudent. Oui, chef Sona, je le serai. L'anneau de médaille, je pense que c'est l'arène... je pense que c'est un stade de foot, qui est juste à côté. Allez-y, nous attendons votre signal. C'est à côté là où j'ai sauvegardé tout à l'heure en fait, où j'ai commencé l'épisode. Ok, bon bah on avance, hein, écoutez. Suivre Varl, oui, bah oui, ouais, donc c'est, oui, c'est ça, c'est un stade de foot, j'ai l'impression, ou stade de baseball, je ne sais pas. T'as un plan, pas vrai? Tu m'as suivi jusque là, même dans les ruines. Tu es censé me faire confiance? C'est vrai, mais... Comment sais-tu que cette base a une faiblesse? Patience, Varl. Tu comprendras bientôt. Ah, ouais. La dernière fois, j'avais essayé de monter ici. Je pouvais pas. Allez, ok, parce qu'il faut... Ok. Alors, j'ai fait le tour de cette zone-là. Hein. Prends ma main.
Et je crois bien qu'il y a des bestioles. Du genre. Machine. Chercher dans l'anneau de métal une vue sur la flambée. Ça veut dire qu'on partirait là-dessus en fait. Celui de droite est pour toi. Celui de droite est pour moi, ouais. C'est-à-dire que tu veux vraiment. Lui là. Ok. Je peux descendre là? Ok. Je ne me blesse pas en descendant, c'est bon à savoir. Ça, je prends. C'est toujours intéressant. Je m'occupe de celui de gauche. Avad, l'usurpateur, a affaibli notre tribu. On va lui montrer ce qu'est la vérité. Ok. Bien. Fufu, on est bien. Devant nous, il y en a deux. Crageur, bon souffleur, feu con. Ah, corrompu en plus. Ça, ça veut dire qu'ils sont bien résistants, ça va être bien l'enfer. Ok. Plus que deux. Prends celui de gauche. Ok. Par le soleil! Couché. T'étais un petit peu en retard là, Varl. Tout petit peu en retard sur l'attaque. Allez, on va voir. Ok. On va faire ça comme ça. Heureusement c'est scripté et qu'il pouvait pas me... Là. Tu vois cet abri couvert? À l'œil, tu vois sonner l'alarme. Sonner l'alarme. Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées. Toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je l'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Ok. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Alors, très honnêtement... Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. Oui, on est d'accord. Très honnêtement, si j'avais possibilité de retirer ce couvre-chef dégueulasse sur la tête de Aloy, je le ferais. Heureusement que j'ai la tenue fufu, hein. Alors voyons voir. Ouais, par contre. Ouais. Alors, l'objectif est là-bas. Je perdais mon temps à boire et à me battre. Maintenant je sers l'ombre. C'est ça, passe. Tu sers l'ombre, c'est bien. C'est bien mon gars. Je dois juste m'approcher de la flambée et tirer dessus. Touché. Quelqu'un peut aller vérifier ce corps? Ok. On a un mort ici. Comment ça se fait qu'ils soient tous alertés là? On va rester planqué dans les hautes herbes, écoutez. Les hautes herbes sont là pour ça. On va attendre qu'ils se calment.
Ah, ils vont se calmer là. Voilà, eux ils sont calmés. Il en reste... ok, ils sont tous calmés. Très bien. J'aimerais bien réussir à le faire en mode fufu quand même, ce... ce truc là. Ok, j'ai 60 mètres à faire. Quasi à découvert. L'avantage, c'est comme je disais, vu que j'ai la tenue full fufu. Je suis pas mal. Attends, on va faire un petit stop ici, que j'analyse la situation. Faudrait que j'atteigne juste cette zone là. Ouais. Ok. C'est le moment ou jamais. Tu me vois pas. Je suis beaucoup trop furtif pour toi. Ok. Comment je peux faire pour me débarrasser de cela? Tu vas venir par là, toi, monsieur. Ouais, tu vas venir par là. Là, faut pas que je me presse. L'ombre nous rend plus fort. Il ne faut pas que je me presse. Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Alors, par contre, autant pour les machines, je peux comprendre qu'elles aient une ronde que je puisse déduire. Autant pour les humains, je trouve que ça fait un peu pauvre quand même. Ça fait un peu cheap. Attendez. On travaille dur. Je suis motivé par l'idée de récupérer ce qui nous appartient de droit. Je check, j'attends juste, voilà, que lui se tourne. C'est là que tu dois exploser en fait. C'est le truc en deux temps, les machines qui explosent en deux temps, c'était un petit peu... Repéré. Ah bon, t'es sûr que t'es repéré là, Aloy? Saleté, va. Aïe. Ok. Bien. Putain, ça se voit que c'est un con. Quoi vous allez me dire là? Oula. Voilà. 30 secondes. Alors, il y a du loot. Il y a du loot. Il y a plein de loot bleu. Attendez. Non, c'est important ça, faut pas déconner. C'est bon. Là aussi, il y a du loot bleu. On est en train de gagner là. On gagne. Est-ce qu'on est en train de gagner? Ah, sérieusement?
Oh putain. C'est pas un arc que j'ai, c'est un putain de fusil à pompe. Voilà. Non, toi t'as un ami toi. Attention, ouvrez l'œil. Toi t'es... Ah non, toi t'es un allié toi. Ok. Ah bah c'est bon. Eh, ça s'est bien passé. Toute mère admire notre victoire. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. Eh ben écoutez, c'est fini. Nous pourrons plus sévir. Ça s'est carrément bien Je passé en fait. Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs? Comment ils m'ont vu dans son focus? Alors, 30 secondes, je gagne un point de compétence, et comme je le disais, il y a ça qui m'intéresse pour les attaques fufu. On va récupérer un petit peu de soins, puisqu'il y en a ici. Voilà. Il n'y a pas du loot bleu qui traîne. Si, là, il y a du loot bleu. C'est déjà plein. J'en ai marre d'avoir trop de ressources sur moi. J'adore. 5 os de lapin, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un 6ème? On va dire que non. Réceptacle métallique. Hop, excusez-moi. J'ai des ressources, j'ai trop de ressources. Voilà. Donc nous disions ça. Je genre le truc, ça, ça se vend bien ça. Ça se vend pas mal du tout même. Et vous savez très bien comment je suis, hein. Le loot c'est la vie pour moi. Bien, bien, bien. Donc bah écoutez, je suis une mission rondement menée, écoutez, hein. Où le fantôme? Le texte, alors ouais, sauf que non, on va pas forcément lire ça maintenant. Deux trucs, primo ici, secondo le projo. Donc on va d'abord aller sauvegarder. Hop là, on va faire une sauvegarde manuelle histoire de voilà. Et nous disions que voilà, ceci c'est là que je vais aller. C'est bien en hauteur, c'est-à-dire qu'on peut escalader tout ça. Ça pourrait être intéressant, on va se la jouer façon Assassin's Creed. Faut que je trouve les points d'accès en fait. Quand j'ai les points d'accès, c'est les prises, c'est bon, je les ai. Où est-ce que c'est? Là. Allez, moi ça, juste là. Tac, nickel. Allez, à l'œil. Ça va qu'elle est super agile quand même, hein. Hop, les reflets de lumière sont pas mal du tout. Hein. Allez. Ok. Voilà. Ok. Ne pas regarder en bas. Ne pas regarder en bas. Ah mais c'est là, c'est bon. Bien ça.
Ah, c'était bien ça, c'était bien un stade. Le stade de Denver. Pèlerinage apocalymerdique, jour 6. Je sortais juste de réhab quand on a regardé les métallurgistes contre les voyageurs d'Arts. C'était drôle de te voir avec un maillot métallurgique par-dessus ton sari. Ok. Bien. Eh ben écoutez. Let's go. Donc ça c'est bon. Bah écoutez, alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, donc, je peux virer le marqueur ici. En mission, quête principale, on n'a plus que ça. En quête annexe, vengeance d'une fille que je fasse, elle est plus loin que la principale. Elle est à la même distance, 2400, ce même endroit. Partie de chasse, pour l'instant, ça niette. Les deux zones de chasse, je les ai validées, comme je disais. Creuset, il n'y en a pas de plus. Bah écoutez, à fond de carja, faudra que je fasse ça, mais ça je ferai de mon côté. Bon bah écoutez, on est bien là, on n'a plus qu'à avancer en suivant le... HUD, le guide, enfin le fil d'Ariane, on va dire. C'est par là-bas. Juste, on va re-sauvegarder d'abord. Donc visiblement on est au niveau de Denver. Donc on est dans les States. Dans les États-Unis. Ok. Les environnements sont juste totalement dingues, quoi. Franchement, ça va être très Je suis une légende, hein. En version beaucoup plus ancien, mais. Comme je disais en début de Let's Play, hein, c'est du post-apo. Comme rarement présenté dans un jeu vidéo ou dans un film. Dans une œuvre de façon générale d'ailleurs. Ok. Bon, on a 2 km à faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des grands fronts dans le coin? Les grands fronts, c'est comme les galopeurs, sauf que... C'est pas vraiment des cerfs en fait, mais... Bon, au pire, on y va à pied, hein, 2 km, c'est quoi? Je fais ça tous les jours dans Star Citizen. C'est rien. Hein. Hop, excusez-moi. On va éviter ici parce qu'il y a des veilleurs corrompus. Et les veilleurs corrompus, mine de rien, ils sont chiants. Ils sont plus résistants. J'espère que je vais pas tomber sur les dons de scie parce que pendant mes phases d'exploration en solo, je suis tombé contre pas mal de dons de scie différents. Pareil, les boursouflés, j'ai pas arrêté de tomber face à eux. Et les... Testudien, c'est, je crois. C'est un enfer. Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Les grands fronts. On va s'en récupérer un. Hein. Voilà. En fait, là où ces créatures-là sont intéressantes, que je vous montre. Bah en fait c'est qu'elles font super mal quand on fait du combat avec. Donc bah tiens, en parlant de combat, bonjour messieurs. Ah mais par contre le bestiau, s'il te plaît. Voilà. Il a un peu esquinté maintenant mais c'est pas grave. Il est d'occasion. Allez. Donc direction le rempart. Oh putain, il y a des... Il y a des cracheurs boursouflés. Alors, pendant la mission de chasse, je tombais sur les cracheurs boursouflés de glace. Alors ouais les gars, c'est bien. Moi je suis plus là, je me casse moi. Donc je serais tenté de dire qu'il y a des cracheurs boursouflés de différents éléments. Donc feu, on a déjà vu. Et glace, comme je vous disais, j'en ai déjà affronté. Et il y aura peut-être électrique d'ailleurs au passage. Ça me surprendra pas les masses. Des galopeurs, bonjour messieurs. Voilà. Cracheurs boursouflés encore.
Les branches sont très courtes. Bon, je m'en fous, je trace. Mine de rien, c'est là qu'on se rend compte que la map est assez grande. Hein. Oh, charognarde. C'est bon, ou juste en passant à côté, je l'ai bien esquinté la bestiole. C'est pas grave. Oh, déteste studien. Putain, il y a toutes les créatures que je veux pas affronter qui sont là. Quoi. Vas-y, trace. Trace, petite bestiole. Non mais... Mes créatures de merde. Voilà. Vas-y, trace, on y va, on avance. On s'en fout de eux. Putain, ils gueulent de façon stridente. Ok. Bon, là, on arrive sur une zone que je ne connais pas encore. Que j'ai pas encore explorée. Ça promet. Le bruit de la dinde qui se fait écraser, mon dieu. Le splotch, là, bien dégueulasse. Refuge des chasseurs et remparts. Faut que j'aille au niveau des remparts. Petite baisse de frame. Encore des grands fronts. Sent un peu le dawa. Complètement le dawa. Alors attendez. On va faire un détour par là. Parce que là. Il y a du secondaire à faire. Info sûr les gars. C'est un petit village, il y a du secondaire à faire. Hop là, attends-moi là toi. Grand front, pour l'appeler Darkomai 22, non? Je sais pas. Bon, c'est de l'autodérision, vous voyez pas. C'est pas là. Alors déjà on va voir si le... Bon, on va déjà vendre des trucs aux marchands et puis on va voir si le marchand a quelque chose à nous filer. Ressources. Alors oui non, c'est moi qui dois te vendre des ressources monsieur. Enfin madame plutôt. Qu'est-ce que je peux te vendre? Bah oui ça c'est bien ça. Ça non, ça oui. Ça c'est bien. Attends, des ressources, j'en ai what milliard. Non, et le reste, je peux pas le vendre. Oh, faut vraiment, vraiment que je me rachète des trucs. Attendez. On va vendre ça aussi. J'ai pas besoin d'autant de bidoche. Tac, niveau plante, on est bon. Excusez-moi, je fais ma popote. Hein. Ça aussi, je peux le vendre. J'ai pas besoin d'autant de bidoche, comme je disais. Ah, peut-être pas long, ça. En termes de flambée, comme je disais, j'en ai quand même pas mal. En termes de réceptacle métallique. Ouais. Givrelin, j'utilise pratiquement jamais les trucs de... Ça, je sais pas encore à quoi ça peut me servir, donc je vais le garder. Bon, là, pour l'instant, on est pas mal. Maintenant, acheter. Tenue. T'as rien de plus à me proposer que ce que j'ai déjà. Ok. Arme. Rien de plus à me proposer que ce que j'ai déjà. Ressources. Pour le coup, je vais me racheter des fils électriques. Voilà. Tu m'en donnes que 5 par 5. Voilà. Et on n'a pas du tout de mission ici en fait. On n'a pas du tout de mission ici. Ah bah je l'ai dans l'os là. Et vu l'heure qu'il est, je me dis qu'on va peut-être pas continuer la mission. On va peut-être pas encore aller au niveau de la zone Karja. On va faire du secondaire. Enfin, du tertiaire même, plutôt. Hop. À savoir que là, moi, ce qui m'intéresse, dans un premier temps, ce serait d'aller là-dedans,
dans les montagnes pour trouver la statuette Banouk. Bien sûr qu'il a retenu les frais sur ma tête. Et par où est-ce que je pourrais passer? Est-ce qu'il y aurait un chemin par là? Là, ça va être de l'exploration sauvage. Attendez. What the fuck? Ah, ça me ramène là! C'est là qu'il y avait l'épreuve, la fameuse épreuve. Ok, bon, écoutez, c'est pas grave. On va aller... Hop, guimauve médicale, je prends. Non, t'inquiète pas, l'œil, tout va bien. On a 160 mètres à faire. Par où est-ce qu'il vole que je passe, sérieusement? Par là. Comment je peux y accéder à ce truc-là? Non. Ça, Lerco, c'est la fausse bonne idée. Je peux passer ici? Attendez. Wait. Ah, ça reconnecte ici. D'accord, ok. Ouais, d'accord, ouais. Ça, c'est une zone que je connais pas encore non plus. Mais ça, on le fera que bien plus tard. Puisque je crois que c'est en lien avec le DLC. Par contre, évidemment, je suis un boulet à plat. Je vais pouvoir passer par là. Hein. Ouais. Ouais, à l'œil. J'ai foi en toi. Hop. Non, ça passe pas du tout. Aïe. Voilà. À l'œil a perdu ses deux tibias. Rien de grave. Je pense pas que ce soit réellement par là qu'il faut que je passe. Je suis en train d'improviser un chemin. Mais tout va bien. Ouais. Faut que je passe par là plutôt. Non, parce que là, ici, c'est vraiment casse-gueule. Donc, ok, c'est bon. On va arriver au niveau de la statue de Banouk. Clairement. Ah là là. Là, voilà. Nickel. Une sculpture en bois. Sûrement de l'art Banouk. Avec l'écho qui résonne bien. Ok, donc ça, c'est bon. C'est bouclé. C'est le renard. Le renard. Excusez-moi. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ah, en plus, tu as une zone corrompue. C'est à 130 mètres en contrebas. Ah, mais ouais, j'aurais pu passer directement par là parce que j'avais pas vu. J'ai fait le grand tour, alors j'aurais pu faire ça, ceci, et passer par là. Mais je suis un putain de boulet. Par contre, à l'œil, oui. Descends, merci. Moi, j'aime bien faire mes propres routes. De toute façon, là où on va, pas besoin de route. Excusez-moi. Ok, 100 mètres en contrebas. Let's go. Ah, quoi que vous savez quoi. La fleur de métal, je la récupérerai de mon côté tout seul. Là, il faut qu'on arrive au moins... Ouais, alors, ça va être le merdier. Il y a deux dents de scie là-bas. Alors allez donc si vous êtes mignonne. Mais je ne suis pas là, vous ne me voyez pas. Attendez. On va se faire la zone corrompue. On va se faire la zone corrompue. On va avoir besoin
Parce que je rappelle qu'il y a un feu de camp dans la zone corrompue. Et j'aimerais bien le débloquer. Le village abandonné dont Maria m'a parlé, il a été dévasté. Il n'y a que des veilleurs corrompus. Ah non, charognard corrompu aussi. Ok. On va sauvegarder en plein milieu des créatures. Tout va bien. Mais c'est juste histoire de pas avoir de problème au cas où je meurs. Et mes connaissances, ça va arriver. Hop là. Tac. On va essayer de se la jouer, Fufu. Je dis bien essayer. Okay, elles sont carrément loin, les bestioles. Les voilà. Des veilleurs corrompus. De justesse. Il a presque failli me voir. Mais il m'a pas vu. Ça va que c'est des IA hein, qui sont très très cons, hein. Putain, ils vont me repérer comme ça. Ça, ce connerie, c'est un radar. Saloperie, un putain de radar. Je crains plus rien, pour l'instant du moins. Ok. Ils sont calmés. Okay. Ouais, l'intelligence artificielle est pas tip top hein, dans le jeu, on va pas se le cacher hein. Où est la dernière? T'es là. À la queue leu-leu tout le monde hein. Allez. Allez. Vas-y, t'y es presque, continue. C'est bien. Voilà. Voilà, c'est bien passé, hein. Je veux plus jamais entendre de mal de l'IA des PNJ dans Star Citizen. Très sincèrement. Je ne te donnerai plus aucune critique envers l'IA des PNJ Star Citizen. Viens là, mon coco. Ouh, oui, il est content de me voir, lui. Allez, go. On a 400 mètres à faire. Il y a un camp de bandits ici? Wait, what? Ah oui, camp de bandits ici. Faudra que je fasse d'ailleurs le camp de bandits qu'il y a là. Au 25. Niveau 9, faudra que je fasse celui-là d'abord. Ouais, franchement, dans l'idée. Dans l'idée, il faut qu'on avance un petit peu, quoi. Oh, attendez. Oh putain. Il y a plein de trucs qu'il faut que je vois. Enfin, je vais faire l'exploration de mon côté. M'en veuillez pas là, après cet épisode-ci, à la fin de cet épisode-ci, quand j'aurai coupé la caméra, je ferai l'exploration du backtracking. Camp de bandits dedans? Hein, quoi? Où ça? Ah oui, ça je le ferai. Ça pour le coup, par exemple, ça c'est le genre de truc que je ferai de mon côté. Les camps de bandits.
C'est pas forcément le plus cool. D'abord le froid, maintenant la neige. Ah oui, putain la vache, on y voit que là. Alors oui, par contre, je veux bien que tu sauvegardes, merci. Ok. Faut que je rejoigne la forteresse Karja. On y passe, putain, mais on y voit que là. La forteresse Karja sera attaquée. Ah ouais, moi j'avais prévu que ce soit une fin de... Une fin d'épisode tranquille, là, les gars, en fait. Comment dire... Comment dire, vous foutez de ma gueule, là. Un corrupteur. C'est sensible à quoi, le corrupteur? Au feu. Ok. Non mais... Oh putain de merde. Ah oui, mon cheval qui m'aide. Oh là là, oh là là, c'était tellement prévu, pas du tout. C'est moi ou il me feinter quelque chose de bien lui? Ouch. Waouh, d'où tu savais que j'étais là, toi? Mais sérieusement? Il est où mon cheval? Putain, mais. Putain, il me fait plus mal que le corrupteur! J'y crois pas. Mais bon, ça va à l'œil, hein. On sait que ça fait mal. Soleil nous accorde sa lumière aujourd'hui. C'est pas le soleil qui a risqué sa peau, en tout cas. Ouais. J'avoue. Hein. T'as pas pu venir m'aider, espèce de sombreux. Bon, il m'a aidé contre le corrupteur, c'est déjà ça. Je vais pas trop lui en demander non plus, hein. Oh, mais... Putain. Oh, nice. Il fait beau maintenant. Ah bah j'arrive. J'avais prévu que ce soit une fin d'épisode cool, tranquille, vous voyez, hein, mais non. Le jeu en a décidé autrement. Hé hey, viens par ici. Ouais bah 30 secondes, hein, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bon. Vous allez m'ouvrir la porte, maintenant? Faites ce qu'elle dit. Ouvrez les portes. Et allez prévenir le capitaine Balan. Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest, à Méridian. Ok. Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. Ok. Quête principale terminée. Celui qui dirige cet endroit sera Sinakoa et lui. Bah, écoutez, je pense qu'on est sur une bonne fin d'épisode, là. Non? Juste regardons. J'ai deux points de compétence. Le truc qui m'intéressait, c'était celui-là. Parce que ça, attaque de chef, Osef. Attaque puissante, pourquoi pas, mais non. Attaque puissante plus. D'abord ça. Parce que ça, c'est bien, ça. Bon, je fasse aussi tout ce qui est riposte, renversement, tout ça. Ça va être majoritairement du brave. Enfin, je suis déjà en train de faire du majoritairement du brave, et puis je fais un petit peu de rôdeuse aussi à côté. Donc ouais. Ah, épisode riche. Et mine de rien,
Notez qu'il y a de l'amélioration en tout. C'est-à-dire que là, tous les moments où je devais être furtif, j'ai été furtif. Et les combats, je les ai plutôt bien gérés. À part là, contre la charognarde, là, qui m'a fait chier comme pas possible. Mais voilà. Hein, tout de même. Plutôt bien passé. Hop, re-sauvegarde, parce que je suis un sauvegardeur fou. Je suis compulsif. Excusez-moi. Donc ouais, comme je le disais, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 12 de Horizon Zero Dawn. J'espère sincèrement en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.